Et voici le cinquième album que je mets en vente, Le Crabe aux Pinces d'Or. Une édition imprimée en 1949 avec un copyright de 1947. Version en couleur, bien sûr. Bon, minime petit défaut en haut du dos. Quelques frottements sur les tranches. Pareil ici, petit frottement. Et là, petite décoloration ici, à cause des mains qui tiennent la BD. Sinon, le premier plat est un petit peu jauni. Alors, la quatrième de couverture, pareil, le dos avec un petit frottis. Les coins, léger frottement, la tranche ici aussi. Voilà, petit frottement complémentaire là. Et minime frottis en bas, sur le bas du dôme. Enfin, c'est. Voilà. Globalement, il est assez propre. Bon, quelques minimes taches très pâles ici. Puis il pourrait être nettoyé, je pense. Avec un petit coton. Voilà, bon, bah écoutez. C'est quand même un état correct, vraiment correct. Les gardes, rien à signaler, elles ne sont pas du tout fondues, bien sûr. Alors, à noter un ancien propriétaire qui a mis son nom en haut de la page de garde et qui l'a mis aussi en haut de la page de titre. Quel idiot! Il a aussi reprécisé au crayon, donc effaçable, la date de 1949 en bas de la page de titre. Titre en noir, copyright 1947, avec encore là aussi, il a réécrit la date de tirage 1949 au crayon papier. Le papier est vraiment correct, rien à signaler dans les pages intérieures, mais quand je dis rien, c'est vraiment rien, aucune mention, aucune rature, aucune tache, rien. Vraiment, l'intérieur est très frais. Les pages de garde de fin, impeccable. Et puis, bon, l'imprimerie, si vous voulez l'information, l'imprimerie Safo Paris. Bon, bah écoutez, ça reste encore une belle petite édition ancienne du Crabe aux Pinces d'Or.